La messe est offerte aux intentions de Madame Kathleen Wang. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur est digne de confiance en toutes circonstances. Présentons-nous devant lui avec confiance et humilité. Du doute qui souvent nous assaille, Seigneur, prends pitié. Des distractions qui nous éloignent de toi, ô Christ, prends pitié. De l'orgueil qui nous ferme à ta parole, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux. Et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la divinité des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un sanctuaire pour Chamosh, le dieu de Moab, et un autre pour Milcom, le dieu des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères d'offrir de l'encens et des sacrifices à leur dieu. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu deux fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara, « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes prescriptions, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Disons ensemble, souviens-toi de nous par amour de ton peuple, heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur,
dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils allaient se mêler aux païens, ils apprenaient leur manière d'agir. Alors, ils ont servi leurs idoles, et pour eux, c'était un piège. Ils offraient leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillaient. Ils se prostituaient par de telles actions. Et le Seigneur prit feu contre son peuple. Ses héritiers lui firent horreur. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Alléluia, alléluia. Accueillons humblement la parole semée en nous. C'est elle qui peut nous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence. Et aussitôt, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syrophénicienne, et lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous propose un merveilleux dialogue entre Jésus et une femme qui vient demander la guérison pour sa fille qui est possédée d'un esprit impur. Or, cette femme, nous précise le texte de l'Évangile, est païenne de nationalité syrophénicienne. Je voudrais méditer avec vous ce matin, non pas tant la guérison de la fille de la syrophénicienne dont nous parle saint Marc, que la manière à laquelle elle a obtenu la guérison, c'est-à-dire son insistance confiante qui a déclenché la puissance de Jésus. « C'est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants. » L'expression « petit chien » qui lui est assignée ne veut pas dire que Jésus éprouve du mépris pour cette femme étrangère. Non. Par sa réaction, Jésus veut plutôt l'inviter à passer d'une demande païenne à une démarche de foi
qui ne cherche plus la guérison en tant que telle, mais l'accueille comme une surabondance de la bonté du Seigneur. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Frères et sœurs bien-aimés, ce récit est très actuel pour nous chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui. En accordant la guérison à la fille de la Syrophénicienne, Jésus déclare que le salut est donné non seulement aux Juifs, mais aussi à tous. Saint Paul dira dans sa lettre aux Galates, « Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni Juif, ni Grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ. » Galates, chapitre 3, versets 27 et 28. Frères et sœurs, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de frontières. Il veut que tous les hommes, toutes les femmes, quels qu'ils soient, aient la vie. Choisissez la vie, et le Seigneur, dans sa grande bonté, ne se contentera pas de vous donner des miettes. L'Évangile que nous venons d'entendre nous a convaincus. Certes, il y a dans notre vie des réalités qui s'imposent à nous comme autant d'obstacles à la fois. Retenons que nous ne devrons jamais désespérer dans notre prière. Comme dans l'Évangile, il faut certainement de l'audace, de la patience, de la disponibilité et du désir d'accueillir toujours la présence aimante de Dieu parmi nous et en nous. Puisse le Seigneur nous accorder d'avancer toujours dans la foi et nous apprendre à prier avec la persévérance, la disponibilité du cœur et l'humilité de la Syrophénicienne. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons alors, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que l'un par au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous vendions avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.